Madame, Monsieur, chères habitantes et habitants de Fegersheim-Hohenheim, alors que 2021 s'achève, voici déjà 2022 qui débute. C'est avec un certain pincement au cœur que je commence mon propos. J'aurais tant aimé vous retrouver, entouré de mon équipe, au centre sportif et culturel, pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Malheureusement, la situation sanitaire dégradée nous oblige, encore une fois, à prendre nos responsabilités et à faire preuve de prudence. Pour la deuxième année consécutive, c'est en vidéo que je vous adresse, au nom de l'ensemble du conseil municipal, mes meilleurs vœux à toutes et à tous, habitantes et habitants de notre commune, aux associations, entreprises et commerçants, enseignants, membres de nos structures de participation citoyenne, élus et services municipaux. La reprise épidémique nous a d'ailleurs conduit à prendre des décisions difficiles ces derniers mois, comme le report du traditionnel repas des seniors, l'annulation de certaines cérémonies et moments conviviaux. Je tiens d'ailleurs à exprimer ma plus profonde reconnaissance à l'ensemble des agents de nos services municipaux et à mes collègues élus qui, depuis le début de cette crise sanitaire, ont su se montrer à la hauteur en s'adaptant sans cesse aux contraintes. J'ai une pensée particulière pour le personnel de la crèche et de l'EHPAD qui doit sans cesse se conformer à de nouvelles directives. Ils font preuve chaque jour d'une capacité de résilience remarquable. En 2021, mon équipe et moi-même avons travaillé sans relâche pour trouver un équilibre entre la reprise de notre vie sociale et la gestion de la pandémie. Nous nous sommes efforcés de faire appliquer les protocoles sanitaires pour permettre le maintien des activités tout en assurant la sécurité de tous. La tâche ne fut pas aisée. Mais nous sommes fiers de vous avoir proposé un programme d'animation et de manifestation riche et ambitieux dont les flâneries en sont le plus bel exemple. Entre rendez-vous musicaux, spectacles, jeux sous toutes ses formes, deux roues en fait, ateliers nature, le mois de juin a été plus festif que jamais sur notre territoire. Nous souhaitons garder cette énergie pour 2022. La culture reste toujours au cœur de notre projet pour Fegersheim-Hohenheim. Le rayonnement d'une commune repose aussi sur une vie économique florissante. Nous avons la chance de disposer d'un tissu économique diversifié, s'appuyant notamment sur une zone d'activité qui a su évoluer depuis plus de 50 ans et un cœur de village toujours en mouvement. Fegersheim-Hohenheim compte à ce jour 260 entreprises, commerces et services et plus de 2300 salariés viennent y travailler chaque jour. Pour continuer d'encourager cette dynamique, nous avons en 2021 posé les premières pierres d'un réseau entre les entreprises du territoire. En 2022, nous allons poursuivre nos efforts en organisant des temps d'échange dans les entreprises sur des thématiques spécifiques. C'est en apprenant à nous connaître, en partageant des expériences, que nous progresserons et continuerons d'innover. Que serait une commune sans ses associations? C'est parce qu'elles font la vie de notre territoire que nous n'avons jamais cessé de les soutenir et que nous travaillons au quotidien pour entretenir les équipements publics qui sont mis à leur disposition. En 2021, nous avons rénové une partie de la toiture du centre sportif et culturel. En 2022, nous poursuivrons nos efforts en réhabilitant le sol du gymnase. Les élèves de l'école municipale de musique et de danse et de nos écoles élémentaires ne sont pas en reste, puisque la salle Waldteufel a été entièrement rénovée durant l'été 2021 et 50 000 euros ont été investis pour transformer le foyer paroissial en cantine. Faire de Fegersheim-Hohenheim une commune dynamique où il fait bon vivre est au cœur de mon engagement d'élu. Cela passe nécessairement par une transition écologique réussie et par la mise en place d'actions ayant un impact positif pour la nature. C'est pourquoi la mairie a décidé de donner une suite favorable à l'opération de replantation proposée par l'entreprise Lily France. Ce sont plus de 15 arbres et 50 arbustes qui ont été plantés dans plusieurs endroits de la commune en décembre 2021, en liaison avec le conseil municipal des enfants et les services techniques. En 2022, nous allons poursuivre nos efforts en faveur de l'environnement, en rendant effective la collecte des biodéchets et en travaillant à un projet de recyclage des mégots en lien avec le comité consultatif du développement durable. En cette nouvelle année, nous devons également nous tourner vers l'avenir et lancer les grands projets qui permettront de construire le Fegersheim de demain. Plusieurs actions majeures sont donc inscrites au budget 2022. Reconversion de l'ancienne bibliothèque en locaux périscolaires, aménagement d'un espace multisport et d'un skatepark à proximité du terrain de football synthétique, réhabilitation de deux cours de tennis en terre battue de nouvelle génération, poursuite de la rénovation de l'église Saint-Maurice. Par ailleurs, nous travaillons actuellement avec mes équipes au réaménagement de l'école maternelle Tommy Ungerer, afin d'offrir une cour de récréation plus grande et une salle de sieste plus adaptée aux besoins des petits. Pour mener à bien ces projets et suite à la prise de fonction de la nouvelle directrice générale des services Lucille Gauthier, une vaste réorganisation de nos services a été menée, avec notamment le recrutement d'un agent de surveillance de la voie publique, d'une coordinatrice périscolaire pour les écoles d'Hohenheim, d'un agent supplémentaire à la clé et d'un adjoint à la DGS.
Ces évolutions accompagnent le développement des services publics qui doivent constamment s'adapter aux changements et à la diversification des besoins de la population. Assurer la sécurité des administrés et répondre à leurs préoccupations m'anime au quotidien. Je suis convaincu que nous pouvons aborder 2022 avec optimisme et énergie. Cette année sera marquée par des temps forts et émouvants qui s'inscriront dans l'histoire de notre commune. Il me tarde de vous retrouver en Suisse pour célébrer les 30 ans de notre grande amitié avec la commune du Crécier. À toutes et à tous, c'est à distance, mais avec beaucoup de sincérité et de chaleur, que je vous présente, ainsi qu'à vos proches et vos familles, mes meilleurs vœux pour 2022. Que cette nouvelle année soit définitivement synonyme de reprise, de convivialité et d'espérance. À très bientôt.